Tu vas nous parler, et tu t'es lancé dans un petit, comment on dit, challenge, de te dire, je vais aller chercher, dans l'histoire ou dans le présent, des exemples de confinement. Alors, C'est qu'est-ce que ça ça. donne aujourd'hui? De quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un sujet qui m'a intéressé pendant pas mal de temps, parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien la géo, j'aime bien le patrimoine, j'aime plein de trucs. Et je me suis intéressé pendant quelques temps à une petite île que je vais vous faire découvrir qui s'appelle Tristan d'Acunha. Alors, je vais démarrer tout de suite, j'ai fait une super présentation, vous allez voir. Ah, il a bossé, hein. Attention, on a répété Ah tout ouais, il y a du à travail. l'heure, il y a du taf. Et on te laisse Voilà. dérouler. Vas-y, dis-nous ce qu'on peut attirer de tout ça, avec grand plaisir. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est, alors, vous pouvez faire venir les enfants, hein, parce qu'il y a un petit peu de côté culture, histoire, etc. Moi, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est effectivement, et ça va être, je vais essayer de faire une petite série sur la durée, sur un petit peu, effectivement, le confinement. Eh bien, nous, on le vit au quotidien, mais il y en a d'autres qui l'ont déjà vécu dans des situations voulues. Vous pouvez voir une magnifique île volcanique qui se situe où? Eh bien, en fait, l'île, alors hop, je vais démarrer mon slide. Voilà, l'île, en fait, se situe, vous voyez, j'ai fait un point, elle se situe entre, on va dire, l'Afrique du Sud et puis le Brésil. Donc, on est vraiment loin de tout. C'est-à-dire que cette île-là, on est en gros, à 3 000 km du Brésil, à 2 800 km du Cap, et l'île de Sainte-Hélène qui se situe ici est à 2 400 km. Donc, on est vraiment éloigné de tout sur Tristan d'Acunha. C'est une petite archipel de quatre îles. Une seule est habitée, on va y revenir. Il y a une seule station météorologique sur la Cook Island au sud. Et bah, cette île, en fait, elle a la particularité d'avoir une histoire un petit peu incongrue. Vous voyez, elle est vraiment située nulle part. Et les habitants, en fait, voilà, l'île a été découverte en fait au XVIe siècle par les Portugais en 1506, par un navigateur portugais qui porte son nom, qui est Tristan d'Acunha. Ça a été une île très peu utilisée, un petit peu j'allais dire, en mode de ravitaillement pour la route des Indes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme elle était située, si je reprends la petite carte avant. Vous voyez, elle était bien pour aller partir de l'Angleterre et aller vers les Indes, puisqu'il n'y avait pas le canal de Suède. Eh bien, on faisait tout le tour en passant par le Cap Horn, ou Espérance, je ne sais jamais lequel. Bref, on arrivait directement en Inde. Donc, en fait, l'île était un très bon point d'attache pour ravitailler les bateaux. Donc, les Anglais avaient bien compris le truc. Et donc, pendant très longtemps, sur la route des Indes, c'était un point de ravitaillement. Et puis, au début du XVIIIe siècle, c'est devenu un bastion militaire, parce que Napoléon a été envoyé à Sainte-Hélène et ne voulait absolument pas qu'il s'en échappe. Et donc, le bastion a été créé par les Anglais pour défendre les positions, même si c'était à 2 400 km, mais ils voulaient absolument protéger Sainte-Hélène et ils avaient mis un petit bastion militaire, une petite guerre sur l'île, mais qui n'avait aucun intérêt. C'est volcanique, on va voir, il n'y a pas grand-chose en termes de production. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où on va arriver sur un élément de confinement, c'est que en 1817, l'île perd un petit peu d'intérêt et un Américain surtout, qui s'appelait Monsieur Lambert, qui venait du Massachusetts, a décidé en fait de créer une petite république, on va appeler ça comme ça, un petit îlot indépendant qu'il a appelé les Refreshment Islands. Et il s'est installé. Ça n'a pas duré très longtemps. L'expérience, c'est pas très bien passé. Il est mort d'un accident de chaloupe. Mais on va dire, il y avait une petite colonie qui s'était posée. Et puis, des colons britanniques en 1817 se sont vraiment installés. On voit une photo sur le côté comment c'était construit. Vous voyez, c'était vraiment, vraiment très, très, très pauvre. Et en fait, cette petite colonie, eh ben, en fait, elle a vécu loin de tout. On verra qu'est-ce qu'ils faisaient. Ben, ils vivaient un petit peu de pêche, etc. Mais ils étaient vraiment indépendants. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est des gens. On parlait de en parlant de confinement, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas vécu. Je crois que c'est le seul endroit sur Terre, par exemple, où il n'y a pas eu la grippe espagnole. Ils ont été complètement en dehors de cette épidémie. Et Ça puis t'intéresse, aussi, là, d'un coup on est intéressé ben voilà. En fait, c'est des là. gens. Alors, pour la petite histoire, j'avais posté il y a quelque temps sur Twitter que c'était mon plan de repli en cas de confinement général. Bon, j'ai pas eu le temps d'y aller,
Mais vu qu'il n'y avait pas eu la grippe espagnole, je me dis qu'il y aurait peut-être une possibilité. Mais Et puis bref, tu donnes à tout on le monde verra que maintenant, donc c'est. c'est un peu grillé, quoi. J'ai grillé mon bon plan. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, ces gens-là n'ont jamais été au courant, enfin, ont été au courant bien plus tard de la guerre 14-18, de la Première Guerre mondiale, puisque entre 1910 et 1918, aucun bateau britannique n'est allé leur rendre visite. Donc, plus de courrier, plus d'informations. Donc, pendant 10 ans, de 1910 à 1918, ces gens étaient vraiment isolés de tout. Et ils ont appris l'existence de la guerre 14-18 que, j'allais dire, fin 1918. Donc, c'est vraiment des gens qui, dans la culture de l'isolation, du confinement, est vraiment, depuis deux siècles, est vraiment inscrit dans leur mode de fonction, dans leur mode de vie. Et donc, aujourd'hui, donc, on va voir, ça c'est un peu. C'est moins sauvage, c'est devenu un territoire d'outre-mer britannique, donc qui est rattaché à la Grande-Bretagne, mais ils ont leur petite autonomie, puisqu'ils sont quand même un petit peu loin de tout, et on va voir comment ils vivent. Alors, il y a eu un événement qui a un petit peu cassé ce petit mode de vie, parce que eux, ces gens-là, ils sont vraiment des insulaires puissance 10, c'est-à-dire que vous allez voir, pour le transport, c'est très compliqué. Et en fait, il s'est passé quelque chose en 1961. Il y a eu une éruption volcanique importante. Il y a un volcan qui s'appelle le Queen's Mary Peak et qui a commencé à dégager de la fumée, à avoir des coulées de lave. Et donc, ils ont lancé en fait une opération d'exode temporaire pour rapatrier tous les habitants de l'île en Angleterre, sur une ancienne base de la Royal Air Force. Donc, ils ont rapatrié tous les habitants d'Angleterre. Pendant 2 ans, il n'y avait plus personne sur l'île. L'île était complètement déserte. Et ça, faut savoir. Alors, j'essaierai dans les liens de la vidéo a posteriori de vous envoyer les liens. Il y a des documentaires sur cette période-là qui étaient très intéressants, parce que ces gens-là, en 1961, quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont découvert, eh bien, ils ont découvert la télé, ils ont découvert le maquillage, ils ont découvert plein de choses qui, pour la plupart des gens, c'était du commun, peut-être même l'eau courante. Et en fait, ils se sont confrontés à la modernité. C'est-à-dire que depuis des années, eux vivaient à leur rythme sur leurs îles, sur leur île de Tristan d'Acunha. Et du jour au lendemain, enfin, quelques semaines après, ils arrivent en Angleterre, ils sont tous parqués dans une base aérienne et ils vont découvrir la vie. Et ça a été très très dur pour eux, parce que ils ont eu du mal à s'accepter, à se faire accepter par les habitants du coin. Et surtout qu'eux le vivaient très très mal, parce que pour eux, ils avaient leur habitude de vie insulaire, et du jour au lendemain, on les confrontait à une vie sur Terre. Donc en fait, au bout de 2 ans, il y a une expédition scientifique qui est revenue sur l'île pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger à revenir. Le danger était levé. Donc les colons sont revenus en 1963. Et alors, pour la petite histoire, il y a eu 5 personnes qui ne sont pas revenues parce qu'elles sont décédées en Angleterre, mais par contre, il y a eu 5 naissances. Et donc, on a équilibré un petit peu le nombre de colons qui sont revenus en 1963. Donc, c'est des gens, pour parler d'événements, bah voilà, c'est des gens qui ont réussi à s'adapter aussi à des conditions de la nature assez importantes, et ils ont réussi à s'en sortir. Alors, comment ça se passe, la vie sur Tristan? Bah, c'est simple. Il y a un village, on va dire une petite ville. Là, vous avez une petite photo en haut qui s'appelle Edinburgh des 7 mers, Edinburgh of Seven Seas, avec 8 familles qui vivent en permanence. Il faut savoir que l'arbre généalogique de Tristan est très simple, parce qu'en fait, vous avez à peu près 8 familles et tous vivent ensemble. Donc, en fait, chacun est toujours cousin de quelqu'un, beau-frère, belle-sœur. Ça reste très, très en famille. On verra que c'est pas sans conséquence. Donc, ça fait à peu près 250 habitants. On a 2 églises, une anglicane et une catholique, un hôpital avec des services de soins dentaires, pas d'ophtalmo, mais une salle d'opération, etc., un restaurant pub, un musée et un green de golf, parce qu'on est bien sûr sur un territoire britannique. Ils ont aussi récemment réouvert une usine de transformation du homard, puisqu'elle avait brûlé. Il y a eu un incendie dans l'usine, donc ils ont pu réouvrir récemment l'usine de transformation du homard, qui fait partie des élevages ou de la pêche locale. Il y a environ, on compte environ 10 champs de pommes de terre qui restent le plat habituel du Tristanais. Et pour ceux qui souhaitent s'y rendre, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a que 9 allers-retours par an entre l'île
et le Cap en Afrique du Sud par bateau. Et on va dire qu'on est à peu près sur un trajet qui dure entre 6 et 7 jours, suivant les conditions météorologiques. Donc, pour y aller, il faut vraiment le vouloir. C'est assez contraignant. Bah, quand tu vas pour 6-7 semaines, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Deux ans. Ah, bon, bah. La plupart des missions, c'est à peu près 2 ans de... Ils y vont pour entre 1 an et 2 ans. Mais il y a des touristes qui peuvent venir, c'est-à-dire qu'il y a des bateaux de croisière qui font une escale et ils envoient un petit zodiaque pour visiter pendant 1 ou 2 journées l'île. Mais les insulaires sont pas fanates du tourisme. Hein. Ils aiment bien, mais pas trop. Ils aiment pas trop qu'on les embête. Donc en fait, il y a des visites rares, il y a des restrictions d'accès. Il faut que le chief islander, le chef de l'île, valide votre visa parce qu'il faut un visa particulier pour rentrer sur l'île. Il n'y a pas vraiment d'hôtel, c'est plutôt des maisons d'hôtes. Et ce qu'ils veulent, c'est absolument se préserver. C'est-à-dire, ils veulent pas que, pour parler de l'actualité, Tristan d'Acunha a arrêté tout accostage là pendant cette période, puisqu'ils veulent absolument pas être touchés par l'épidémie du coronavirus. Alors aussi un point essentiel, c'est que tout le monde a coup, hein, forcément. Bien sûr, et on va le voir que ça a été le cas chez eux. Donc, eux, ils sont assez méfiants sur ce sujet. C'est une île où il y a zéro chômage. Tout le monde a une activité. Il n'y a pas de personne qui reste dans son coin, qui ne fait rien. Tout le monde a une activité. Il peut être épicier le matin et puis maçon l'après-midi. Il peut être toubib le matin et professeur d'école l'après-midi. Donc, tout le monde a une activité ou plusieurs activités. Donc, voilà une vie assez, on va dire, quasi normale. Alors, il y a des contraintes, l'accès aux soins, qui nécessite un rapatriement, vous imaginez les conditions, pas de port en eau profonde, donc les bateaux ne peuvent pas accoster, une consanguinité, parce qu'on est sur peu de familles, donc il y a l'endogamie, et surtout des épidémies d'asthme. C'est-à-dire qu'en fait, génétiquement, ces gens, en fait, ils ont eu des virus qui se sont créés à cause de cette endogamie, et c'est pour ça qu'ils sont très méfiants de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Liaison Internet assez réduite, et surtout pas d'économie à proprement parler, à part les timbres et les touristes. Alors, pour conclure, en fait, voilà, je vous ai un peu présenté, dressé le portrait d'une petite île, mais en fait, aujourd'hui, c'est des gens, on voit qu'ils ont appris à vivre ensemble, parce que quand vous êtes ensemble, vous n'avez aucune solution, à part faire le tour des 98 km² de l'île, ça va vite, il faut apprendre à vivre au quotidien, il faut que chacun trouve son rôle. Et ça, aujourd'hui, enfin, quand on voit ce que font les gens, chacun a son rôle. Il y a un chef, fort heureusement, mais c'est intéressant. De voir que ces gens ont la capacité de s'adapter à la fois à des fonctions et à la fois à des vies quotidiennes au gré des marées. La nature fait partie du quotidien. J'ai absolument pas le temps de vous présenter toute la faune qui est autour de Tristan, mais c'est des gens qui préservent aussi la faune. Il y a toutes des missions de préservation de la faune. Comme disait Guilin, je pense que eux ils savent ce que c'est que l'effectuation, parce que eux ils font avec ce qu'ils ont. Quand il n'y a plus un produit et qu'il faut qu'ils attendent 7, 8 jours, voire plus, pour avoir le produit, ils font avec. Et je pense que c'est des gens depuis 2 siècles, ils ont bien compris qu'on ne peut pas faire, je ne sais pas moi, si il nous manque un produit, une recette, un ingrédient de recette de cuisine, ils feront autre chose. Donc, en fait, c'est des insulaires qui sont très bien préparés aux imprévus. Ce qui s'est passé en 61 les a aidés à prévoir le pire. Donc, c'est des gens qui ont la capacité aujourd'hui de à travers leur communauté, de se prémunir des imprévus. Là, actuellement, il n'y a plus de bateaux. Ils vont peut-être tenir quelques mois en plus sans ressources supplémentaires. Donc aujourd'hui, ces éléments-là, je vous enverrai, enfin, je mettrai les liens à disposition. C'est très intéressant de lire les articles sur cette communauté. Mais ça, je pense qu'il y a énormément à tirer sur ce que vivent ces gens-là au quotidien, parce que eux, le confinement, c'est depuis toujours et au moins depuis 2 siècles. Merci de tes partages sur effectivement tes exemples de confinement. On en aura d'autres au fil du temps.